Bien-aimés en Jésus-Christ, chers amis, chers frères et sœurs, étudiants de la Bible, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec chacun de vous ce matin. Nous bénissons bon Dieu infiniment parce qu'il offre une opportunité ce dimanche 20 mars 2022. Nous sommes capables de retrouver nous dans sa grande famille. Dans l'église, pour nous faire service. Parce que bon Dieu relie nous à l'acquisition du salut, donc relie nous à son service. Nous disons merci pour ce choix. Nous bénissons parce qu'il permet chaque dimanche nous capables de trouver nous ensemble dans le cadre de ce service. Nous pas besoin de suspendre mon Dieu merci parce que depuis la fin du mois de mars, depuis la fin du mois d'octobre, excusez-moi, nous avons un sujet à traiter ensemble. Sujet ça qui est pour titre les œuvres de la chair. Non, dis-moi Dieu merci parce que nous déjà épuisé 11 parties en dans sujet ça. Et matin, nous venons pour aborder ensemble la 12e partie de ce sujet, la 12e partie de cet enseignement. Nous espérons que bon Dieu est capable de bénir chacun de nous, par nos intelligences davantage pour nous comprendre l'enseignement, pour nous pratiquer, et ça va nous donner la vie. Et texte ça, Jésus-Christ dit à moi maintenant pile, dans Jean 13, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Alors, c'est une pour nous apprendre la parole de Dieu, mais c'est un lot pour nous pratiquer. Et ce qui est plus important, c'est donc la pratique de la parole de Dieu. Donc, on a partagé la parole ensemble avec vous, on a pas pris nos paroles là, mais ce qui est plus important, c'est la pratique. Et nous même qu'à partager ensemble avec vous, qu'à instruire la parole de Dieu, nous compter sur mon Dieu pour nos capacités, nous autres, pour nous pratiquer de telle sorte que ensemble, nous avons bien part à la vie éternelle. Moi, je souhaite à chacun de nous qui est dans la salle, la bienvenue dans la maison de Dieu. J'espère que bon Dieu bénisse chacun de nous. À nous-mêmes qui sommes déjà branchés sur Facebook, que bon Dieu bénisse chacun de nous. Dans quelle que soit zone que nous sommes, ça y est, qui est États-Unis, ça y est, qui Haïti, c'est là où qui Brésil, Chili, et c'est là où qui est la France, mes amis, la France qui branché. Nous espérons que bon Dieu est capable de bénir, bon Dieu est capable de prendre soin de l'intelligence pour comprendre. Ça y est, qui est en République Dominicaine, partout à travers le monde que nous sommes. Et il y a un pile de nous qui pourra suivre l'enseignement plus tard sur YouTube. Il y a un nous qui a vu l'enseignement et sous une autre forme, qui est une forme audio. Parce que il y a un monde qui toujours m'a dit de faire ça pour vous, vous voyez sous forme audio plus facile pour entendre. Et nous avons toujours fait ça. Nous souhaitons que bon Dieu bénisse tout le groupe de ça. Il y a une capacité pour vous entendre, capacité pour vous comprendre et capacité pour vous pratiquer. C'est toujours avec vous, votre ami, votre frère, votre serviteur, Jean-Gary Bonheur, dans le cadre de l'enseignement de la parole de Dieu. Étant donné, et c'est un sujet à traiter depuis dernier dimanche du mois d'octobre 2021, nous avons toujours gagné le même objectif là.
Donc, l'objectif, c'est que les étudiants de la Bible, les saints ou les chrétiens, doivent savoir que les œuvres de la chair sont divisées en trois catégories. Et que la troisième catégorie fait l'objet de l'étude de ce jour. Ils doivent pratiquer ces œuvres dans leur vie afin d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Au thème de cet apprentissage, ils seront en mesure d'exposer, de partager, pourquoi pas d'expliquer cette vérité, cette connaissance à d'autres. Sujet n'a prêté à trois parties là-dedans, les œuvres de la chair. Nous avons déjà étudié la première partie là, que nous avons qu'est-ce qu'il a appelé la première partie du sujet là. Comment nous avons tout le monde oublié. Tout le monde oublié la première partie du sujet là. Les œuvres de la chair divisées en trois parties, première partie à nous pourquoi on participe sur Facebook là, là-bas dans la salle là, il n'y a pas une personne, non, qui songe. Première partie, c'est... Vous avez avancé en 20 là? Non, pas en 20. Ah, on va aller? Non, dit divisé en trois parties. Première partie, comment elle est? Les amis, tout le monde oublié. Première partie, avec les péchés du corps. Que l'âme et l'esprit. Première partie sujet à les péchés du corps. Deuxième partie à les péchés de l'âme. Troisième partie à les péchés de l'esprit. Ah non, t'es loin. Et ça fait chaque fois, ma première partie dans le sujet, je fais rappel, c'est justement pour ne pas oublier. Pour ne pas oublier. Mais il faut nous faire apprentissage à la caille. Nous avons tendu, il faut faire apprentissage. Il faut attendre. C'est comme ça. Excusez-moi. Je suis C'est très bien ça. Voilà. Donc, on entend d'enseignement. Donc, au fur et à mesure, on a entendu l'enseignement. Il y a pile partie là-dedans. Donc, sur chaque groupe, il faut entendre et attendre. Pour câbler l'enseignement dans son ensemble. Donc, première partie, on a les péchés du corps. Deuxième partie, les péchés de l'âme. Troisième partie, les péchés de l'esprit. Dans ce qui concerne les péchés de l'esprit, on a noté que le péché de l'esprit lui-même est divisé en deux parties. Qu'est-ce qu'il y a appelé deux parties yo? La première partie, on a noté. N'oubliez. La première partie, on a noté l'idolâtrie. Deuxième partie, on a noté. Les pratiques occultes. Les péchés de l'esprit, nous dit le diviser en deux parties. Première partie, c'est l'idolâtrie. Deuxième partie, les pratiques occultes. Dans l'idolâtrie, nous avons fait trois séances là-dedans. Je veux dire, c'est la quatrième séance idolâtrie. Nous avons été en cinquième séance dans l'idolâtrie. Dans la première partie, à qui ça nous a étudié? Nous avons étudié. Qui est-ce qui songe? Enseignement sur l'idolâtrie, premier enseignement, c'était. Tout le monde oublié. Ah. Je ne sais pas comment dire, hein, je vais me faire prendre. Première partie, hein? C'est quand ils ont cherché dans la carrière, vous venez. Cherchez, vous venez. Dans la page 10 là, dans la carrière. Première partie, c'est l'adoration des idoles et des images taillées. Première partie, nous étudier, c'est l'adoration des idoles et des images taillées. Deuxième partie, nous étudier, c'était les traditions et les coutumes. Troisième partie, nous étudier dans ce sujet, c'était dimanche passé. C'était. Oh, mon abonné, dimanche passé, là. Tout oublié. Ah, nous avons fait pour nous faire là. Pourquoi on a mis sur Facebook là, on a dit si j'ai noté étudié dimanche passé dans le cadre idolâtrie, comment il est? Regardez pour moi. Et salutations, nous avons sur Facebook là jusqu'à présent.
Comment on joue? La cupidité. Voilà. Dimanche passé, nous avons étudié la cupidité. Nous avons montré que la cupidité, lui-même, tout le monde, c'est une idolâtrie. C'est l'une des étudiés, la cupidité. Donc, nous sommes bien avant d'oublier. Jeudi, nous avons avancé plus fort dans l'idolâtrie. Quatrième sujet pour traiter en dans l'idolâtrie, nous avons les excès du manger et du boire. C'est ça que nous allons étudier matin ensemble avec vous. Les excès du manger et du boire. Nous avons la troisième partie, les péchés, les œuvres de la chair. Tout le monde connaît la définition des œuvres de la chair. Nous disons les œuvres de la chair, ce sont les manifestations visibles ou le fruit de la nature pécheresse qui est en l'homme. L'homme, il y a une nature dans lui, qui est la nature pécheresse ou encore la nature adamique. C'est une nature non joindre lorsque Adam t'est péché, lorsqu'il t'est transgressé la loi de Dieu. À partir de cela, Adam vient perdre la nature divine, l'homme vient perdre la nature divine, l'homme pas capable de vivre éternellement encore parce qu'il péché, parce qu'il transgressé la loi de Dieu. Nature pécheresse, ça qui dans l'homme, l'hypothèle a péché. L'hypothèle a fait ça qui mal. L'incitèle à transgresser encore la loi de Dieu. Les pousser l'homme produit un fruit, fruit l'homme produit à nous les œuvres de la chair. Paul cite lorsqu'il dit les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, citez quelques pour moi. Impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie ou l'enchantement, les excès de table, l'ivrognerie, etc. etc. Paul cite l'adultère, nous t'es bien en pile. Paul dit les choses semblables et nous autres nous avons ajouté quelque chose semblable. Paul dit, il y a des gens qui commettent des bagages, même j'en ai dit ça, ma vous dit ça encore, les gens qui ont pas hérité le royaume de Dieu. C'est-à-dire, en tant que chrétien, quand produit pour la chair, qui a produit les œuvres de la chair, et bien nous le goûter pour que nous suspendons produit les œuvres de la chair. Voilà pourquoi je dis à là, nous allons étudier les excès du manger et du boire. Moi, invité à chacun de nous, dorénavant, pour nous goûter, pour nous corriger pratique ça, les excès du manger et du boire. Ah ben, rapidement pour nous parler de excès du manger et du boire, m'espère que le midi, si Dieu veut, moi m'a dit qui sujet d'étudier dans le cadre idolâtrie pour nous pas dire les excès du manger et du boire. Sans blesser, moi je vais balancer le sujet qui fait que nous parlons de grandes choses à dame. C'est pas vrai. Hein? Non, pas dire ça. C'est nous pas faire des rêves à nous? Oui, c'est vrai, nous faisons fort. Ok, ben m'espère que nous faisons fort. Parce que moi-même, je perds du temps pour me préparer. C'est ça, c'est ça. Je perds du temps, je ne pas dormir parfois pour me préparer. Donc, je viens de là, il faut nous. Il faut nous encourager. Exactement, il faut nous encourager, il faut nous classe là. Il faut nous apprendre pour nous partager. Lorsqu'on apprend, nous avons habilité pour nous même pour le partager à l'autre monde. Donc, il y a un temps, moi-même, je suis en train d'apprendre. Nous avons une capacité pour me partager, pour nous faire ça. Et bien, nous autres, bon Dieu qui pour les vents, puis l'ennemi, nous là, pour nous capables de vivre, pour nous travailler. Mais il faut que nous apprenions des choses. Nous apprenons pour apprendre. Ah, il y a un problème. Maintenant, nous allons parler des excès du manger et du boire. Première chose que nous allons faire, nous allons chercher l'origine grecque de l'expression excès du manger et du boire. Il y a un mot grec qui traduit l'expression excès du manger et du boire. Donc, c'est le premier point qu'on va développer dans quatre sujets ça rapidement. Origine grecque de l'expression manger, l'excès, on parle les excès du manger et du boire. Nous disons que excès du manger et du boire vient du grec, vient d'un mot grec, on quoi vient du mot grec potos. Potos qui s'écrit P-O-T-O-S. Les excès du boire et du manger, les traduit par un mot grec qu'on appelle potos. Dis-moi si Dieu veut venir là, je vais vous dire les excès du manger et du boire. Faut tout le monde capable de dire excès du manger et du boire sorti dans un mot grec qui c'est
potos. Et signifie qui ça? Nous disons que potos, li signifie une beuverie. Une beuverie. Beuverie s'écrit B-E-U-V-E-R-I-E. Et pas beuverie, non? Beuverie. B-E-U-V-E-R-I-E. Beuverie, ça signifie plusieurs bagailles, mais là, où résume tout bagaille, bon, même bagaille. Il signifie le fait de boire avec excès. Il signifie le fait de boire avec excès. Il signifie également réunion où l'on boit jusqu'à l'ivresse. Une réunion, bien une rencontre. Côté nous venir, nous boit jusqu'à ce que nous sous. Là, on dit jusqu'à l'ivresse, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous sous. Li signifie également beuverie. Nous disons fête de boire avec excès, réunion ou bien rencontre au long bois diverse. Potos signifie également faire la fête. On fait fête et dans fête ça mon a mangé, mon a boire, mon a mangé dépasser 20 nous capable dire. Mon a mangé plus que on t'a dû manger, il a boire plus que on t'a dû manger. Il a dû boire, il ça potos en grec. Les excès du manger et du boire. Nous allons à travers la Bible, nous allons considérer deux versets. Quand nous avons un excès du manger et du boire, qui traduit par potos. Nous allons dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 3. 1 Pierre chapitre 4, le verset 3. Qui ça nous lit? C'en est assez. Apôtre bien qu'à parler, c'en est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens. Qui volonté? Comment accompli volonté païen? Pierre dit en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire. Dans la langue grecque, les excès du manger et du boire dans cette phrase, elle traduit par potos. Merci beaucoup. Texte a continué de dire, et les idolâtries criminelles. Paul Pierre dit, ça finit, mes amis, c'est assez. En effet, c'est assez d'avoir dans le temps passé, nous avons accompli volonté païenne. Ça finit. Nous allons continuer à accomplir volonté païenne. Qui l'a accompli volonté païenne lorsque n'a marché dans dissolution, dans convoitise, dans ivrognerie, dans excès du manger et du boire, lorsque n'a marché dans les idolâtries criminelles. Il y a combien de crimes? Normalement, qui ça Jésus dit lui-même dans le même contexte là, dans Luc 21, le verset 34. Luc chapitre 21. Verset 34. On va aller. Luc chapitre 21, le verset 34. Qui ça? Apotadine. Luc dit, c'est pour nous veiller zone. C'est pour nous prudents. Et que vos cœurs soient apesantis. C'est pour nous veiller pour que cœur nous n'ayons pas apesanti par les excès de manger du bois. Comme on traduit le mot ça. Dans la langue grecque, expression traduite par potos. Veillez pour que nous ne pas apesantis par souci de la vie. C'est-à-dire, c'est pas souci de la vie qui intéresse nous, qui domine nous. Mais que ce jour revienne. C'est pour nous veiller pour que le jour ne pas venir sous nous à l'improvise. De quel jour Jésus a parlé là? Jésus a parlé le jour de son prochain retour. Au dimanche, il a parlé du jour de votre mort. Parce que par contre, qui l'a mourir? Jésus qui disait pour nous veiller. C'est pour nous veiller, zone. Pour que cœur nous, ce n'est pas manger avec bois qui occupe. Ce n'est pas manger avec bois. Si ça fait quelque part, il est écrit eh bien, royaume mon Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Il y a deux bagages qui intéressent manger, boire. Et puis, il dit après ça, il met mourir. Ah ben, monde qui sait pour ne pas mourir, Jésus-Christ dit, c'est pour nous veiller. C'est pour nous prendre garde. Jésus-Christ a un avertissement. Pour que cœur nous, ce n'est pas un seul qui intéresse,
manger, boire pour tous, pour que nous pas gain souci de la vie, nous c'est souci la vie qui a dominé. Yo occupé par souci la vie, pas chercher l'argent, même j'ai d'habitude ça dimanche passer la cupidité, l'amour de l'argent, excusez-moi, c'est ça qui occupe penser, c'est ça qui oblige penser, souci de la vie, problème, tracas, tandis que service bon Dieu pas tellement important pour yo, tandis que service bon Dieu pas une grande valeur pour yo. Jésus-Christ s'est réveillé pour que jour pas prendre yo à l'improviste, je dis ça on pas t'attendre, ça on pas préparer pour ça, et puis royaume bon Dieu a vient établi. Ou du moins, si vous mourrez, ah ben, je vais arriver à l'improviste. Ça qui va le passer, moun sa yo c'est des excès du bois et du manger qui était sel. Moun sa yo c'est souci de la vie qui était occupé penser. Ah ben, ça qui va passer, je vais arriver sur l'improviste. Ah ben, très certainement, moun sa yo ou pas pour yo dans le royaume de Dieu. Donc, nous disons que mes chers amis, chers bénévoles Jésus-Christ, expression excès du manger et du bois, les synonymes de l'autre expression qui signifie excès de table. Ça fait quelque part, les paroles citées liste. Fruit de la chair que nous devons condamner. Quelque part, Paul citait les excès de table. Jésus parlait de excès du boire et du manger. Apôtre Pierre parlait de excès du boire et du manger. Paul parlait de excès de table. Quand dit excès de table, quand dit excès du boire et du manger, c'est la même chose. Maintenant, dans la langue grecque, yo traduit excès de table là par un autre mot qui c'est komos. Komos qui s'écrit K O M O S. Dans la langue grecque, les excès de table qui signifie excès de manger, excès du boire, je traduis par un autre mot qui c'est commence. Commence signifie excès, il signifie excès de table, il signifie excès du manger et du boire. De vous dire commence ou dire excès, quelque chose avec son frère, on dit commence, ou bien on dit excès de table, ou bien on dit excès du boire et du manger. Dans Galates 5, verset 21, Paul va utiliser expression ça qui s'excède de table. Galates 5 verset 21. Ce texte nous familiarise avec lui parce que de temps en temps dans le cas d'étude là, ce texte on nous prend côté Paul citer toute liste œuvre la chair que nous pas doit commettre. Paul dit l'envie. Alors il te commence à citer dans verset plus haut. On fait j'ai son temps, on va dans verset plus haut. Il te cité. Là il vient dans verset 21, il dit l'envie. L'ivonnerie, il dit les excès de table. Dans le texte, comme on traduit excès de table, en grec, il traduit par komos. Ou quand on dit l'envie, l'ivonnerie, ou quand on dit komos, Paul dit et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, ça va passer, n'hériteront point le royaume de Dieu. Il y a des gens qui vivent dans l'envie, nous avons développé l'envie déjà. Yo moun kap viv dans l'ivonnerie, c'est là dans nous aujourd'hui là les excès de table, commence. Paul de tout ça qui semble avec yo, dit nous ça d'avance et dit ça déjà, moun sa yo pas bien part à la vie éternelle. Que c'est moi qui parle là, que c'est même kap coûter dans là, kap garder dans là, nous gien problème si nous a fonctionner dans l'envie, dans l'ivonnerie, dans excès de table et toutes choses qui semblent avec. Maintenant, étant donné le sujet assez excès du manger et du boire, n'a divisé en deux parties. N'a pas parlé de excès du manger. Après, on a parlé de excès du bois. Donc, excès de table, c'est le bien à la fois manger et boire. Maintenant, nous divisé en deux. N'a pas aussi parlé de excès du manger. Après, n'a fait aussi parler de excès de table. Non, du bois. Debout d'excès de table, ouais, excès du manger et du boire. Est-ce que c'est clair? Parfait. Nous disons que celui ou celle qui fait excès de manger s'appelle gourmand. Gourmande, glouton, gloutonne. Yon garçon, yon frère qui fait excès de manger,
Excès de manger, il voulait dire manger dépassé. Li manger, 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 manger quantité t'a supposé manger. Il est ça excès. Quelque part il est écrit dans la Bible, excès en tout nuit. Ou pas de manger dépassé ou de manger en certaine quantité. Manger dépassé c'est un péché que lié. Gagné qui vous allez encore manger en pile. Moi-même vivre ça m'a dit là, mais nous organiser d'ailleurs. Les nous vivent peignés en Haïti, nous avons organisé concours manger pour nous. Même dans l'école, nous organisé concours manger pour qui quantité manger, nous avons mangé. Ça, c'est excès que nous avons. Nous avons dit en français, gourmand. Pour fioler le gourmand, le mot, le nom, c'est la gourmandise. Mon nom, c'est gourmand ou gourmande. Mon nom, c'est glouton, s'ils sont frères. Ils sont gloutonnes, s'ils sont sœurs. Le nom c'est la gloutonnerie. La gloutonnerie, c'est le fait d'être glouton, gloutonne. C'est le fait de manger à l'excès. Ou manger à l'excès, ou manger trop. La Bible corrige nous dans ce sens-là pour nous manger trop. Comment on a un créole glouton, glouton, gourmand, gourmand? Comment on a un bon créole? Afoué, saf. Afoué, le saf. Le après, mon a ça. Les bagnons satisfaits, manger. Tout autant pas vomir, pas suspendre manger. Donc, mon sang savent. On doit manger à une certaine mesure. Maintenant, qui cause qui a poussé un monde manger en pile? Mon a qu'à manger en pile, là, bon bagay qui pousse le manger en pile. Et qui conséquence ça entraîne? Numéro 1, on va l'identifier qui cause qui font le monde manger en pile. Numéro 2, nous allons identifier qui conséquence lorsqu'on mange en pile. Numéro 3, nous allons voir qui ça la Bible dit lui-même de monde qui a mangé en pile. Est-ce que nous avons des marches là? 1, qui cause qui pousse au monde manger en pile? Le monde qui a mangé en pile là, il y a un bagage qui pousse le manger. Une raison pour ça. Nous allons voir qui ça cherche au bagage comme raison. 2, le monde qui mange le manger qui va aller, tifler. Qui conséquence ça va entraîner dans la ville? Et troisième démarche, non? Ce que dit la Bible de la gourmandise, de la gloutonnerie ou encore de l'excès? Excès de table, encore principalement excès de manger. En allant, non, disons, selon certains chercheurs, les causes qui poussent au monde manger, en pile, les capables de la dépression. Mon nan doit à vivre une situation mon nan les gon dépression prend seule solution c'est manger en pile. Manger à venir fatigue mon ça on va dans les habitudes manger non mais immédiatement gen dépression ou mon ça fin rage saisir du pourquoi tel pas manger un tel gars petit kounya là c'est dépression pousser mon à manger, l'anxiété pousser mon à manger en pile. Yo dit lorsque mon ça yo entre les amis. Quand on entre les amis à bay blague, ça incite tout manger en pile. Yo dit lorsque on célèbre une fête en famille, ça qu'on pousser toutes ces raisons pour son monde manger en pile. Mon avis dans fête là, regardez bien. On va craser yo. Et puis commencer manger. Qui l'autre cause qui pousse au monde manger en pile? Manger à l'excès. Non dit réponse, c'est en réponse à nos émotions. Lorsque moun sa passe une journée stressante, moun an stressé, son journée de travail, une journée à l'école, moun an stressé, eh bien, vin la kaili, solution, c'est manger en pile. Hein, madame, non, l'elle gade l'autre, quand il continue de manger, Maria, quand manger, Maria saute travail, l'elle gade l'autre, tout ça, t'es sous table, Maria plat tout, et il m'a dit ça encore. Mais c'est stress qui fait ça. Il saute pas son journée vraiment stressante. Eh bien, en réponse à cette journée, c'est manger en pile. Eh bien, l'autre raison qu'on fait mon manger en pile, après une rupture amoureuse, mon était bon relation d'amour, relation li coupée, eh bien, mon nan mal à l'aise, li malade, eh bien, l'alguer bosco sous pile manger devant lui. Ça pousse le manger, Il y a des gens qui ne mangent pas du tout. Tandis que les gens qui mangent, ça pousse les gens à manger un paquet de manger.
Donc, spécialiste qui a reçu à Mounzaïo, chaque cas étudié, c'est ça qui pousse Mounzaïo à manger en pile. Et il dit, Mounzaïo constamment entouré d'images de nourriture, d'odeur, d'abondance. Il y a des gens qui ont passé dans la tête, en pile manger. Manger en abondance. Et bien, les gens qui ont passé dans la tête, ils ont poussé Mounzaïo pour manger en pile. Mais manger en pile là, il passe sans conséquence. Vous même manger c'est vous, manger à l'excès c'est vous, ou manger dépassé. Quand on dit qu'on ne pas manger dépassé, c'est faux. Ou une quantité, ou une ration, ou de manger. Loi aller au-delà de ça, il aller ça excès tout simplement. Ou manger dépassé quantité de manger. Il dit manger à outrance, manger à outrance, c'est manger à excès, n'est pas sans conséquence. Cela peut abîmer l'estomac. Donc, si moi-même, dans ce salle-là, je ne vais pas manger en ville, je vais passer 20 mois. Madame, elle a eu le cas. C'est ma belle menti. L'homme mange dépassé 20 ou j'ai senti à dire, l'écraser l'estomac. Le français a dit abîmer l'estomac. En bon cas, elle a dit l'écraser l'estomac. L'homme mange trop. Donc, si vous n'avez pas un capteur de là, ou bien qui dans ce salle-là, nous comptons manger dépassé, eh bien, il va faire effet directement sur l'estomac. Système digestif, il fait effet sur lui. Le système digestif. Mais aussi engendrer de surpoids. Ou bien trois poids. Ou bien développer ça, relève obésité. Ou son qui vient obèse. Même gosse, on met la gère. On dit, mais monsieur, il y a un bonheur avec gosse, il y a quelque chose à ventre. Pour ton malade, il y a tout, il y a un peu. Non, il y a un mari a poussé ventre, il dit, mes amis, il a fait le bon. Ah ben, c'est maladie qui a tué. Non, disons, conséquence. Moun ki mange en pile yo non di li capable abîmer l'estomac moun nan, li capable abîmer le système digestif moun nan, li capable engendrer ça ne le surpoids moun nan, vin gen trop poids, il vin trop lourd, gen trop charge, rele ça obésité. Donc moun nan li vin obèse, moun nan vin développer l'autre maladie, le diabète. Mange en pile bay diabète. Sou pa gen maladie diabète, comment ou le diabète encore dans l'autre langage, maladie sucre. Mange en pile bay maladie sucre. A nous suspendre aujourd'hui à manger en pile si nous ne voulons pas faire maladie sucre. Par contre, nous avons fait diabète. Les développer, ça n'est maladie cardiaque. Les développer également cancer. L'on mange trop, il y a cancer. Donc, ou un cas où on peut manger, manger. Parfois, on cancer tuyau, c'est parce que tu as mangé trop. Avec le douce diable, la carotte, manger. Ou tu as un brisou de calaïe soir, etc. Ou tu as fait une discussion avec un monde, mon ante. Tu dois la prendre pour ta produire mon nom. C'est trop. C'est manger ou manger trop. Maintenant, on a le recouvert qui ça la Bible dit de mouka manger en pilio. Nous allons dans Proverbe 23, verset 20 et 21. Proverbe 23, verset 20 et 21. Nous avons fait un aller un peu plus vite parce que je vais nous commencer un peu tard dans le sujet. Tant yo, à courir avec nous. Proverbe 23, le verset 20 et 21. Qui ça dit? Qui Salomon dit, ne sois pas, Salomon parle avec des enfants de Dieu, la parle avec petit li, avec mon sauvé, la parle avec nous matin. Salomon dit nous matin, ne sois pas parmi les buveurs de vin, et pas ça qui intéresse nous, parmi ceux, mais ça qui intéresse nous, qui font excès des viandes. Mon nom mange, viens, mange, viens, mange, viens, mange, viens. Autrement, mange, 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 mange. Salomon nous parle parmi moun sa yo. Pingo parmi moun ka pe de bwè di vin. Pingo parmi moun ka fè excès de viande. Yo kon organize konkou viande. Yo se de monsieur kalan konkou mange viande. Ah ben, yo mange viande à outrance. La Bible mande nous en tant que chrétien pour nous pas associer nous avec moun sa yo. Pingan parmi yo, parce que les parmi yo ça va pousser nous même tout à faire même bagarre. Salomon dit car l'ivrogne et celui qui se livre à l'excès s'appauvrit et devient pauvre. N'a pas de faire excès tellement yo mange tout petit l'argent c'est manger 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 et ben on devient appauvri. C'est des devient pauvre. Mon connon monde j'ai de dans ciel là pas bien viande, dans ciel là pas bien manger, depuis sur la terre pour manger. De tout corps blessé manger. Ah mon connaît m'a parlé là. J'ai le l'ancien là, et pas n'importe l'ancien, l'autre pour libre.
pour libre pas monde qui prend au ciel, mais les douces dans ciel là pas bien manger avec toute corps lui-même, c'est manger, c'est boire, pas bien qu'on a rien encore. Ah ben la Bible dit non. En nous courir pour mon ça. Et l'assoupissement fait porter des ailes. Ça peut intéresser non. Luc 21 verset 34. Notez l'île déjà, mais n'a pas celui pour garder du temps. On nous prend Philippiens 3 le verset 19. Pour nous qui ça Paul dit avec peuple qui t'a vu à Philippe. Philippiens 3 le verset 19 qui ça Paul dit pour mon qui mange en pilio. Paul dit leur fin sera la perdition. Moun sa yo kap manje pile la bon Dieu. Tout moun kap de manger li bon Dieu. Même gens tout moun kap couri de l'argent, moun sa bon Dieu. Dimanche passé nous te wè ça. Qu'est-ce qui a appelé qui Dieu moun kap couri de l'argent au service. Non oublié. Dieu ça. Ma voix. Dieu. Moun qui aime l'argent au lieu de même Dieu. Jésus-Christ dit moun sa bon Dieu a servi. Comment le Dieu ça? Mais ça dimanche passé hein. Yo les moun sa yo maman. M A M M O N. Moun sa yo a servi maman, moun ki remè l'argent en pile, moun k'ap courir de l'argent au lieu de servir bon Dieu. Jésus-Christ dit ou pas k'ap servir de mettre à la fois, pas k'ap servir maman, en même temps servir bon Dieu, va fon choix. Ou bien on servi bon Dieu ou bien on servi maman, le Dieu de l'argent. Moun ki mange en pile autour même yo gen Dieu yo. Moun ki mange en pile yo, apôtre Paul dit nous matin, hein, yo bon bon Dieu a servi. Bon Dieu a servi à ses vent yo. C'est vent bon Dieu yo. Même j'ai les mangé qui dit dans ciel là pas bien manger, c'est depuis sur la terre pour la craser manger lui même. Ah ben monsieur ça le bon Dieu matin. La Bible dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre. C'est un service bon Dieu pas intéressé, c'est manger qui est intéressé. Là où tu as vu dans le service, tu as quand même goûté pour manger même. Parce que c'est manger qui est intéressé. Nous avons un exemple, Paul qui a baillé un service de Sainte-Seine, où il a dit, finalement, là, on a besoin de manger, on a besoin de manger. Il n'y a pas de comprendre ce service là. Paul m'a dit, si tu vas manger pour manger là, caillou. Alléluia. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, c'est-à-dire à manger. Moun sa se chose de la terre qui intéresse yo. Service bon Dieu pas aucune valeur pour yo. Service bon Dieu pas aucune importance pour yo. Boude service bon Dieu, yo pas fait cadre li ou bien so vin la den, yo vin la den. Jan yo vle, donc yo just vini. Abe parce qu'il a pensé avec les choses de la terre au lieu qu'il pense aux choses de Dieu. Moun sa se vent yo ki Dieu yo. C'est pourquoi Salomon dit dans Proverbe 23 le verset 21. C'est peut-être ça Salomon dit dans Proverbe 23 verset 21. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité sous son gourmand, sous son gouton, sous son saf ou parmi les grands. Parmi les grands, capable d'un roi, capable d'un président, capable d'un dignitaire, capable d'un premier ministre. Li capable yon révérend, yon pasteur, yon prêtre, yon moun ki gon certaine autorité. Abe moun sa invite ou non dîner sou parmi moun nan, pa kouri al sou tab manje. Hein? Ouais. Yon grand. Ouais. Donc Salomon dit attention. Mets un couteau à ta, mais on met un couteau dans gorge. Au lieu que va courir manger. Parce que pas bon pour moi qui appelle manger en pile. Donc, matin, parole mon Dieu, invitez moi-même, invitez nous pour ne pas courir et manger. Est-ce que la Bible dit bon pas manger? Là. Si je pas manger, je m'a fait vivre. Ouais. Faut manger, la Bible dit faut manger, mais m'a manger avec mesure. M'a manger avec mesure, pas capter manger. Sous question de manger. Mon connu élément qui dit lui-même pas faire en seconde sans pas manger. Son façon pour monsieur Dou comment? Il mange en pile. Ah, monsieur, il n'y a pas qu'à ce qu'on s'en va manger. C'est vraiment pour les plats, définis ballon l'autre encore. De temps en temps, il faut manger. Moun sa gon maladie, gon problème. Ah, mais Salomon dit non, allez, quand nous sommes yo, pas mettez non parmi moun sa yo. Pas assembler ensemble avec yo, parce que nous voulons même j'avec yo. Donc, s'ils arrivent parmi nous là,
ou bien qui est dans la salle, ou bien qui est sur Facebook, cap suivre. Donc, veillez sur quantité ration alimentaire à prendre. Est-ce qu'on parle à l'excès? Je me rappelle longtemps, l'un des monde. L'un fin manger. Quand il n'y a pas de chita, il n'y a pas de camper, il n'y a pas de respirer. Et puis, mais ça qui est plus grand, c'est notre technique. Mais la technique n'est pas grand. Ou alors, devant le Mikaïla, on dit pando, mais ça ne va pas. Et on dit, qui est-ce qu'on va prendre plus fort? Qui est-ce qu'on va vertical pour moi? Parce que tellement manger, aïe, aïe, aïe. Ou pas de chita, pas de camper, pas de coucher, il y a un problème. Yo, il y a ça, glouton. Il y a ça, ça, il y a ça, gourmand. Donc, en nous prudent, je ne vais pas dire que le service a fini, je ne vais pas manger là, je ne vais pas dire là. Je n'ai pas parlé d'excès de manger. Je n'ai pas parlé de manger dépassé avant tout. Ou son glouton dans ce sens-là. Je n'ai pas dit que je ne vais pas manger, il faut que je mange pour vivre. Mais veillez si ce n'est pas à l'excès ou à manger. C'est l'excès qui péché. Manger par péché, mais l'excès de manger est un péché. Et l'excès de manger peut nous empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est pas moi qui dis, c'est Paul qui dit, c'est la Bible qui dit. Il y a un monde qui commet de telles choses, il n'y a pas entré dans le royaume de Dieu. Vous regardez, mes amis, conseil, tu manges en pile, pas sauver. Ah, mais pas le bon Dieu qui dit. Parce que lorsque vous mangez en pile là, ou pas occupé des choses spirituelles. Puis après, mon Dieu, pas bien valeur pour vous, c'est les choses de la terre qui sont importantes. D'où la nécessité, mes chers bien-aimés, chers amis, pour nous suspendre, manger, dépasser tripes nous, dépasser ventre nous. Qu'en est-il de l'excès du boire? L'excès du boire. Il y a dit l'excès du boire, ce qui dépasse une quantité, une norme. Ou une quantité de boisson, tu as supposé boire pour normal, mais on boit une quantité dépassée, ou boit dépassée une norme. Ou boit une trop grande quantité de boisson, soit on boit dépasser de la mesure moyenne, ou boit une quantité dépassée la limite, il y a ça abus, il y a ça excès de boire, il y a également excès d'alcool. Est-ce que on t'a pas posé une question là, mais on a toujours posé mais nous pour répondre. Est-ce que la Bible dit au monde pas de boire? Hein? La Bible dit au monde non pas de boire? La Bible dit pas de boire. Est-ce que nous cabons de l'alcool? Oui, nous cabons de l'alcool. Gagne des doctrinaires qui croient que chrétien va de boire l'alcool. Bon, on a vu sur ça tout à l'heure, les abordé aspect biblique question boisson. Là, nous parlons de qui cause qui fait au monde boire en pile, boire dépassé. Qui conséquence l'homme est trop gagné. Même j'en ai fait pour manger, n'a fait de même bout ouais. Pour boire. Conséquence, cause. Donc, selon certaines études, les causes de l'excès du boire, il est capable vin, il est capable alcool, il est capable bière, ou l'excès du boire, peuvent être héréditaires. Premier bagage qui a fait un monde boire en pile, héréditaire. Héréditaire, c'est-à-dire, li jwenn maman ak papa, li moun ki te fon boire en pile, li même tout, li boire en pile. Héréditaire, une maladie héréditaire, c'est une maladie qui se transmet de père en fils. Le mot c'est l'hérédité. L'hérédité, c'est la transmission dans le contexte d'une maladie, d'un problème de père en fils. Non, pouvoir, pas le pouvoir héréditaire. Papa mouille, c'est petit à qu'on remplace. Eh bien, là, on si mon appel de bois, elle garde si maman, elle pas de compte bois, si papa, elle pas de compte bois. Ou bien, elle garde si grand-père, elle pas de compte bois, si grand-père, pas de compte bois. Elle garde si grand-grand-papa, grand-grand-grand-né. Elle garde si baron, cousin, cousine, ou mon enfant, mille quelconque. Ça, c'est une cause. C'est pas toutes les causes, c'est une. Non, cause qui a fait mon appel de bois, valetafia. Et parce que papa, elle ton gros tafia tête. Deuxième cause, ou bien une autre cause, yo. Mon nom yon trouble psychiatrique. Je parle de trouble psychiatrique, c'est-à-dire mon nom, j'en malade, on dirait que c'est folie dans l'île, il n'est pas stable, il n'est pas correct, il n'est pas normal, il n'est pas même à tout le monde. Il n'est pas marcher dans mon nom. Et mes seules solutions, c'est boire.
depuis lever pour faire boire bouteille boisson bon côté des troubles anxieux fait moun ben en pile tout la pauvreté c'est une cause qui fait moun ben en pile gardez sous quartier côté rete à le monde qui Haïti ou n'importe zone dans quelque soit pays hier ouais ouais ça ouais moi si monsieur depuis lever une bouteille dans main pauvreté fait ça il y a pas son calcul. Il y aura zéro bagage comme mais si comme le gagne c'est bois 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 avec ah vous connaissez petit monsieur comme ça depuis au lever je nous faut lever la bouteille là bon tête yo c'est pauvreté qui fait ça c'est la misère qui fait ça hein gon l'autre bagage qui fait ça tu veux ça isolation sociale yo monde qui dans ghetto par exemple dirigeant pas tenir compte de yo yo abandonné yo et ben monde ça yo les comme ça valer en pile tafia pour passer problème yo la timidité aussi li capable pousser au monde li également un facteur qui pousse au monde pour boire en pile non dit hérédité c'est-à-dire maladie héréditaire si mon n'a pas parlé maman ou bien une ou l'autre qui boit en pile avec carrément les mêmes boire en pile ou bien mon n'a une folie qui l'attaque elle les boire en pile ou bien mon a vu de la pauvreté la vie de la crasse ti monsieur de la massio ou après ça papa tout petit monsieur sous quartier yo sous table domino a yo chaque bon petit bouteille des poches yo c'est la pauvreté qui fait ça c'est la misère qui fait ça la timidité fait ça la dépression ou des troubles anxieux fait ça tout même genre dépression fait mon manger en pile les fait mon boire en pile tout maintenant qui conséquence manger boire en pile la gagner sous comportement yon monde sous la vie yon monde eh ben li engendre plusieurs conséquences n'a cité quelques exemples. Avant tout, on a dit, yon moun ki boue yon verre alcool par jour, jusqu'à 42%, moun sa li risque pour gen yon nan maladie nan cité la. Yon verre alcool par jour, jusqu'à 42%, moun sa yon risque pour gen yon nan maladie sa. Ki maladie? Cancer de la bouche et du pharynx, cancer du côlon, cancer du foie, cancer du larynx, etc. etc. Liste en plus de toi. Moun kapé de boue, kapé de boue, kap boue, kap boue. Même si moun an ta boue, yon vè par jour, y a 42% chance pour moun sa le faire cancer dans la bouche. Pourquoi moun an wè bouche moun an tout rouge? Eh ben, et boue le boue trop. Fumé la dan tout, mais non pas développer fumé la. Maintenant, donc, consommer de l'alcool peut affecter le comportement ou le jugement. La personne qui boit peut poser des gestes inhabituels ou prendre des décisions qu'elle n'aurait pas prises si elle n'avait pas consommé. Ou bien, on a une bonne façon de l'habiller et regarde où on a l'habillé de l'autre façon. Mais l'un de l'habillé de l'autre façon, il était bien habillé, ou bien, on a commencé à l'habiller mal. Regardez, ce n'est pas trop d'alcool, on a boit. Parce que dans l'alcool, on a perdu le contrôle, on a commencé à l'habiller de l'autre façon, la parler de l'autre façon. Li gon l'autre style qu'on y a et ben alcool fait ça et ben le ça on capable pour moun ça li gon li gon bon bon ami là l'a dit bêtise à examen l'a jouer parfois même rendre compte de cela même et ben ta fia qui fait ça a essayer qu'on dit parole ça mon a dit c'est parole ta fia et ta fia qui parle là c'est quand qui fait donc conduit sous l'effet de l'alcool ou penser qu'il peut risquer de monter dans un véhicule conduit par une personne qui a bu elle aussi. Diffuser les réseaux sociaux des images ou des propos qui pourraient nuire. Vous avez des images que vous avez publiées sur les réseaux sociaux parfois pour nous. Mon ensemble, vous filmez l'alcool, par contre, ça vous le fait. Les montées sur Internet, là, vous commencez à blaguer des vieilles images. Vous avez saisi, vous dites, pourquoi ça, vous avez blagué des vieilles images là? Mais vous savez, même. Mais ce n'est pas faute, c'est l'alcool qui fait ça. C'est quand même qui fait. Aïssé Abdou, c'est quand qui fait. Et pas faute. Ce bagarre, vous avez toujours gommé dans la rue. Il a fait bagarre. Toujours une bonne discussion, on parle en pile, vieux propos, vieux bêtises, on a bougé l'autre. C'est quand on a fait. Dernièrement, on a été à Haïti, on a vécu comme ça. On a tiré moi qui vient de côté, moi avec bouteille. Grand matin, bouteille est fini, on a côté pour la pleine bouteille. Grand matin, on a même mangé, on a mis au côté son galon. Depuis le vivant, on a un galon. On a vécu comme ça, on a dégagé, on a plein galon. Et bien, il y a deux trois qui là tout qui n'est pas d'accord avec ça, M. Diak, comme quand on a tout fait sur lui, quand il fait de tout sur monsieur, il commence à dire vieille parole.
Il commence à dire vieille parole. Bon, c'est mademoiselle qui était là. Elle commence à mettre parole sur mademoiselle. Ça. Tête chargée. Bye, grave net. Donc, je dis également, Mounsayo, il est capable de relations sexuelles non protégées qui est capable d'entraîner une grossesse imprévue ou infection transmissible sexuellement. Par exemple, récemment, tu as à Montréal, il y a un groupe de jeunes qui ont rencontré sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et puis ils ont pris rendez-vous, ils allaient au cinéma, tu as entendu ça sur Radio-Canada, et puis elle a fait la une de l'actualité, par contre, il y a un autre tête. Et puis, des petits messieurs d'amio, ils ont un coin, et puis ils ont parlé, puis ils ont tout à boire, des adolescents. Ils ont tout à boire, puis ils ont une petite tête. Ils ont une petite tête, et c'est alors. Si élément tout profite occasion, hein? Plus de mon l'autre zami avec pour faire ça au passé. Donc, il va être grave net, donc c'est ça la justice. Donc, ça qui fait ça, c'est l'alcool qui fait ça. Du coup, on a bref, qu'on a fait une perte de terre tout, et que c'est en tout nuit, avec toute bagaille possible. Donc, il a dit consommer alcool là, il n'y a pas entraîné plus d'autres bagailles comme conséquence. Violence, on a vu une violence. Difficulté à l'école, nous ne sommes pas capables à l'école encore, donc il n'est pas capable à l'école, le travail n'est pas capable de produire, parce que le bien trop. Il y a des difficultés à l'école, difficulté au travail, il y a des difficultés avec même proche. Comportement sexuel à risque, dépendance, nous n'avons pas dépendu de tête encore, nous avons une dépendance, c'est-à-dire pas mettre tête, nous avons un contrôle tête, nous avons un haï, nous avons capable de faire accident, nous est capable de blesser. Et moun sal capable mourir capturer tête li tout moun a tellement bon li ba sa pou verser pou code maintenant ko li tuer tête ou bien au contraire de Dieu est-elle tuer tête li raison capable excès d'alcool contraire de Dieu moun lagé col non métro li lagé col non de l'eau li tuer tête li grand pile facteur qui cap fait ça youn facteur yo c'est excès d'alcool alors go expression le décalage d'alcool. Qu'est-ce que c'est un décalage d'alcool là? C'est consommation d'une grande quantité d'alcool dans une courte période de temps. Donc, si tu es tout petit, mon nom boit. Vous voyez ça? Le décalage, le calage de préférence d'alcool. Le calage d'alcool. C'est le fait que, non, si tu es donné, mon nom boit. Par exemple, on a cap crason 15 000 là, lui, ce n'est rien. Vous voyez ça? Le calage d'alcool. Ça va rien pour lui, il y a une création de caisse là. Dans deux heures de temps là, il y a une caisse à terre. Il y a une baba en cours. 7 étoiles, 5 étoiles, quantité étoiles il y a. Ben, il y a le calage d'alcool. Les gens qui sont dans cette situation ça, il produit des conséquences. Parmi lesquelles, vomissement répétitif, c'est que les gens toujours vomi. Difficulté à respirer, c'est pas comme on a rien. C'est trop d'alcool qui va aller, qui fait pas qu'à respirer. Perte de conscience. Dans les cas les plus graves, l'alcool est capable de tuer. Vomissement répétitif, difficulté à respirer, perte de conscience. Dans les cas les plus graves, mon sac capable de mourir. Donc, il y a un monde qui est en état ça, mon sac pas fonctionner pour contre lui. Il faut toujours que mon cap veille sur lui parce qu'à n'importe quel moment, le cap fait des dégâts. Maintenant, nous savons que ça la science dit de question alcool là et la parole de Dieu. Et la Bible qui s'agit de monde qui a fait excès d'alcool, excès du boire. Nous disons que la Bible ne condamne pas l'usage de l'alcool ou du vin. Donc, ce n'est pas un péché de le consommer. Vous voyez que vous me dites, la Bible pas condamné moins boire, la Bible pas condamné au boire. Puisque la Bible pas condamné faire usage de l'alcool, par conséquent, il n'est pas un péché. M'ka boire, m'ka bon divin, m'ka bon bière, pas aucun problème. Par contre, pasteur Cabral, on verse dans la Bible pour dire ou pas de boire vin. Non, ça va occuper aucun côté de Genèse Apocalypse, parce que t'as pas qu'à prouver que la Bible interdit chrétien pour yo boire. Ça n'a pas existé. Ou capable boire. Disons, la Bible ne condamne pas l'usage de l'alcool ou du vin. Donc, ce n'est pas un péché de le consommer. On partage quelques versets ensemble avec vous rapidement pour nous voir ça. Ecclésiaste 9, le verset 7. Qui ça nous lit? Salomon dit: va, mange avec joie ton pain
et bois gaiement ton vin. Allez, al manger mon jour, et puis al boire du vin avec joie. Hein? Bois gaiement ton vin. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Ou qu'à manger, mais pas avec excès. Ou qu'à boire du vin normalement avec la joie. Jean Salomon dit ça. Amos 9, le verset 14. La prophétie d'Amos. Amos 9, verset 14. Dans ça concerne le vin. Dans ça concerne l'alcool. Dans ça concerne le boire. Qu'est-ce que la Bible dit? Je ramènerai, c'est bon Dieu qui a parlé par la bouche du prophète Amos. Je ramènerai les captifs de mon peuple, à savoir les juifs qui étaient en exil. Les captifs de mon peuple d'Israël, ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Donc, si je plante des vignes, je bois tout. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Rapidement, on dit, dans le temps en Israël, nous avons boit plus de vin que nous boit de l'eau. Parce que d'après des recherches, de l'eau n'est pas propre. Le plus souvent, de l'eau n'est pas propre. C'est pourquoi nous avons boit plus de vin que nous boit de l'eau. Et à Palestine, depuis nous dit Palestine, nous avons Israël là-dedans. Donc, zone ça, nous avons fait usage du vin en pile en pile. Et ça fait nous l'histoire en os à Cana. Vin fini, c'est pas de l'autre ben mounio. Yo Mario le Jésus là, et puis maman, Jésus vient relève, Jésus fait de l'eau tout net, du vin, et puis tout le monde boit, et puis du vin ça a été pis, bon, pas mis tout du vin. Donc, c'est-à-dire, Jésus lui-même était boire vin tout, très certainement. Parce que dans le temps par là, tout le monde est boire. D'ailleurs, fait de l'eau tout net, du vin ben moun. Donc, il même tout le monde boire. Il n'y a aucun problème là, si on a boire. Paul conseille à Timothée de faire usage de vin à cause de son estomac. Timothée a un problème, il était malade dans l'estomac. Paul te conseille Timothée lui-même tout pour boire du vin. 1 Timothée 5, le verset 23. 1 Timothée, chapitre 5, verset 23. Qui ça nous lit? Ne continue pas à ne boire que de l'eau. Parce que Timothée, c'est de l'eau seulement que qu'on boit, mais de l'eau n'a pas de belle solution. Paul dit, puis continue à boire de l'eau seulement. Mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Timothée, son monde qui devait être disposé de temps en temps, la belle disposée. Voilà, Timothée qui est dans le service à l'air, puis bloc, il saute tombé. Mais Paul dit à cause de problèmes organiques, c'est pour boire un peu de vin. Alors, il y a un des hommes, des pasteurs, si tu as voulu. Qui dit verset ça pas vle dit mon cabre vin, c'est parce que Timothée était malade dans l'estomac qui fait ta boire vin. Mais il faut pas ça tout à montrer mon l'autre côté, la Bible dit puis il n'y a pas boire. Là mon verset à côté, la Bible dit nous autres plusieurs dans l'Ancien Testament, là dans le Nouveau Testament, moi ouais apôtre Paul qui te conseille Timothée pour que le capable boire du vin à cause il était malade dans l'estomac. Non dit cependant, boire pas le problème, non mais c'est usage abusif là le problème. C'est usage abusif, vin ou bien alcool là ou bien bière, c'est le péché. Donc la Bible mettait nous en garde pour ne pas faire usage abusif du vin, usage abusif du boire, ce qu'on appelle techniquement les excès du boire. M'ba de faire excès, m'ka boire, mais m'ba de faire excès. M'ba de boire pour que m'ba gagne contrôle tête moins. M'boire avec mesure. Immédiatement boire avec mesure, il n'y a aucun problème là-dedans. C'est leur pédé boire, pédé boire. Ou m'balle à mon plaisir, boire avec de nos plaisirs. Ou là, ils sont péchés. Esaïe 5, le verset 11. Et péché, ça, son péché mortel lié. Parce que la Bible dit, l'offert, on va bien parler la vie éternelle. Esaïe 5, le verset 11. Qui ça nous dit dans la prophétie ça? Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes. Boissons enivrantes, boissons qui font moun sou, boissons qui rend nous ivre. Et ça dit malheur à moun sa grand matin levé,
Eh bien, ça qui passe, c'est 2-3 bouteilles de bière qui est bon côté. Maramouza. Et qui, bien avant de la nuit, sont échauffés par le vin. Mon ça depuis dans l'autre temps, dès qu'on a chauffé quoi là avant avec un petit vin. Ah ben, puisque Paul a parlé là, et pas Paul, Esaïe a parlé là, parce que côté mon son territoire, il y a des zones qui fait frais. Donc, mon ça avant de dormir, chauffer quoi avec un petit vin. Même gens, nous même ici dans le Canada, et nous même qui Brésil, nous même qui Chili, qui États-Unis, côté nous en France, dans zone qui fait frais, tu ça arrive pour chauffer quoi ou prendre un petit vin avant de dormir. Ah ben, Esaïe dit, mon ça y est. Yo chauffe quoi le soir avec un divin. Quand le grand matin bonheur, il y a plusieurs boissons et ni vont de bon côté. Ça c'est excès que lié. Ça c'est excès de tabac, c'est sac péché. Et ça qu'elle dit malheur, gon madichon sous tête tout le monde. Qui grand matin au lever, yo couri des boissons café au sous. Dans Ephésiens 5 verset 18, Paul dit un gros bagage que tout le monde l'église connaît verset ça. Ephésiens 5 verset 18. Les dit qui ça? Ne vous enivrez pas de vin. Est-ce que Paul dit pas de vin? Non. Les dit pingo sous avec du vin. Pingo boit, pingo boit, boit du vin, jusqu'à ce qu'on arrive perdre du contrôle, tout perdre du tête. Ça pas bon, mais pas dit pas boire. Son pasteur vient dire de boire vin, m'a dit pasteur enseignement ça pour moi-même, mon bagage. La Bible dit pingam enivre de vin, c'est-à-dire pingam boit mon sous. Ne vous enivrez pas de vin, qui ça dit? Les mystères de la débauche, les bois comme sou, ça c'est des autres que lui. C'est vagabondage que lui. Même gaboué. Paul dit, au lieu pour boire pour sou, plutôt rempli avec l'esprit, mon Dieu. Yeah. C'est ça qui est important pour vous. C'est pas peu de bois, peu de bois, pas faire rien pour vous. Les gens qui ont un problème, qui ont de caisse. Je compte plusieurs petits messieurs, ils disent que le 24 décembre, ils disent que nous allons caisser bien bien net. Ça, c'est des boches liées. Ça, c'est des autres liées. Ça, pas bon. Au lieu qu'on peut des bois, chercher plutôt l'esprit, bon Dieu. Au lieu de remplir le corps avec divin, remplir le corps plutôt avec l'esprit, bon Dieu. Parce que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si vous mourrez sans l'esprit, bon Dieu, vous résistez sans l'esprit, bon Dieu, vous n'avez pas la vie éternelle. Donc, ça qui est important pour nous, je dis là, c'est l'esprit, mon Dieu. C'est l'esprit, bon Dieu, pour nous chercher en quantité, pour nous remplir la vie dans l'esprit, bon Dieu, au lieu qu'il n'a pas de valer, ta fia qui va mener non, aucun côté. Alors, dans le proverbe 22, le verset 29 à 35, une belle illustration qui fait là. Après le proverbe, nous prenons deux textes pour nous finir. Proverbe 23, verset 29 à 35. Dans ceux qui ont prêté attention à texte, parce que son proverbe lié, on leur dit son proverbe, c'est-à-dire sa carte du lac dans le bail qui caché. Là-dedans. Proverbe 23, verset 29 à 35. Qui ça, Salomon dit? Pour qu'il est là, pour qu'il est hélas, la question l'a posée. Pour qu'il est là, pour qu'il est là, A-H, pour qu'il est hélas. L'hélas, c'est l'expression qui signifie douleur, chagrin, situation difficile. On va dire, hélas, c'est un monde qui est dans la peine, c'est un monde qui est dans le chagrin, c'est un monde qui est dans le chagrin, c'est un monde qui est dans l'affliction. Salomon dit, pour qu'il est dispute, mon cap parle en pile, tout doit discuter. Pour qu'il est plainte, pour qu'il ait blessure sans raison. Il parle, il dit, avant de dire, pour qu'il ait les yeux rouges. Il pose toute question ça dans verset 29, dans verset 30, il va répondre. Il va dire, mais pour qui est-ce? Pas ça. Le monde qui a de la peine, qui a peur de faire discussion, parler en pile, etc. Le monde qui a les yeux rouges avec le monde. Il y a ici, il ne va pas connaître les yeux rouges avec le monde. Il va nous parler en pile dans la discussion. Verset 30, il dit, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé, chagrin, peine, douleur, souffrance, pour qui est-ce tout le monde? Ça, vous voyez? Salomon dit, c'est pour les gens qui prennent plaisir pour la valet tafia. Donc, est-ce que les chrétiens qui ont pris plaisir pour la valet tafia? Ils ont évité les chrétiens non fait, les bral, ça va faire mon cher, m'habituer.
Mais question est, habitude ça va pour habitude, c'est vice. Habitude est une seconde nature. Salomon dit pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé, ça veut dire vin mêlé. Vin mêlé son vin, quand il agite on l'autre propriété dans vin, il va venir un vin plus fort. Il agite une propriété là-dedans. Je mixe vin sous table. Je ajoute un autre bagage dans vin. Salomon dit, eh ben, les haies, les hélas, les disputes, les plaintes, les blessures sans raison. Ou on ne bon pile maintenant quand on va rendre sac balé. Blessures sans raison. Mon a fait une fou la machine dans la rue, bro, il est tombé devant machine sans raison. C'était tout clair. On a fait la comme ça. Non, pour qui est-ce? Salomon dit, c'est pour moun qui a dégusté 20 mêlés, c'est pour moun qui prend plaisir, qui attendent auprès du vin. 31, c'est ça qui n'est pas bon. Mais, le vin n'est pas un problème. Verset 31, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles de la coupe. Et qui coule aisément. Ça veut dire attention. L'oreille au vin qui paraît rouge, c'est pour les oreilles avec ça. Qui fait des perles dans la coupe, c'est d'aller vous mettre vers la coupe là, vous avez un bel. Le plus souvent, en Palestine, il y a des cônes produits vin rouge. C'est vin rouge, le plus de cônes produits l'autre bord. Vin rouge, ça veut dire, il y a qui dit vin rouge, c'est plus bon vin. Avec le compte produit vin rouge en pile en pile. Et ça fait l'heure après exemple dans la Bible, c'est en fonction de la réalité vécue. Salomon dit, pas garder vin rouge là, on ne va pas être belle. Vin ça qui fait des perles dans la coupe, c'est-à-dire les ornes de coupe là. Les faire coupe la belle. Et on perle son objet précieux, on va faire coupe la belle. Et vin ça qui a poulé aisément. Attention. Ouais, vin ça, ouais qui peut être belle là. Ouais, vin ça, ouais, en main. Salomon dit, mais ça qui a passé dans le verset 32. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. L'on sait pas piquer, eh bien, virus là, poison, eh bien, au fur et à mesure, l'a entré dans tout corps. Eh bien, c'est même gens, lorsque vous prenez 20 mêlés, vin rouge là, il y a mixé là, là on prend, eh ben son poison met dedans. Là commence à gagner tout corps, là monter dans tout corps, jusqu'à ce que le possède et pour le détruire. C'est ça Salomon dit là. Il finit par mordre comme un serpent. Vin ça finit par mordre ou comme un serpent à mordre. Il finit par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères. Ça veut dire. Salomon de l'offre, il y a 20 ans, il y a tête pas clair, il dit. Eh bien, Zio est capable de porter sur des étrangères. Ou capable de quelques filles à passer là, et vous pouvez mettre la main sur vous. Ou capable de faire mal, ou capable de faire des jacques sur vous. Parce que tête pas clair, pas normal. Et ton cœur parlera d'une manière perverse. La tête ou fin plein avec 20 ans, mais c'est vieux parole, c'est le cas de la bouche. C'est vieux causé, vieux langage, vieux discours. Verset 34. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer. Vous imaginez ça? Il y a un monde qui couche dans le temps, il y a la mer. Ça, inimaginable. L'homme va le tafia comme ça, l'homme sous comme ça, et comme si tu es couché dans le temps, il y a la mer. Et comme si tu es couché dans le temps, la mer. Comme un homme couché sur le sommet d'un mât. Ou tu es couché un monde qui n'a pas bateau, bateau a coulé et on va dormir. Et la situation, l'ombre est vain, l'ombre est livré au devin, l'ombre est vain à l'excès. Mais qui est toi? Ou t'as cru au monde qui a un bateau a coulé et on a dormi. Ou t'as cru au monde, ou t'as cru capitaine bateau, il a le gouverneur là, et qu'on soit, qui ça peut passer? Ou a péri tout simplement. Regardez bien, verset 35. On m'a frappé. C'est un monde qui prend du vin qui a parlé là. Et pas Salomon qui a parlé là, non? On m'a frappé. Je n'ai point de
mal. Ou pas qu'on a un monde qui s'ouvre, nous avons un gros coup là. Il n'a senti rien. Parce que effet vient, et quand on drogue dans lui, vient son drogue, alcool à son drogue. Leur film de vite, il possède ou pas senti rien. Et bien Salomon a parlé pour le monde ça. Il dit, on m'a frappé. Mais puis quand il dit, bah, c'est Salomon, non, attention, c'est pas Salomon. Salomon utilise voile pour décrire en réalité. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je batte moins, je ne sens rien. Quand me réveiller, je l'aime lever. J'en veux encore. Je suis battu, je suis maltraité, je suis sous mal dormi. L'aime lever matin, je me dis, je veux faire encore. Donc, mon ça, la fait essai. Du boire et du manger. Il y a un monde qui trouve dans une situation comme ça, il y a l'état de péché, là vivre mal, le monde n'a pas aucun moyen pour le sauver. Parce que petit bon Dieu, Paul dit, puis garde enivré de vin, c'est pour au contraire rempli du Saint-Esprit. Si votre consommation d'alcool ou de vin devient une occasion de chute, la Bible pas dit de pas boire vin, non, mais on ne boire. Mais soit on frère l'église là, ou bien on soeur qui va boire, il dit, pourquoi ça boire, pourquoi la Bible pas voulu. Ah ouais, ou bien un j'aime là avec l'alcool ou pas. Puis nous allons regarder verset Bali, nous pouvons le dire. Et bien ça, la Bible dit non. Pas que la Bible dit non, vous n'y pas de vin, c'est de la débauche. Pas le fait ça. Si vous faites ça, vous faites heureux. Si vous faites vin, plutôt. Parce que lui-même, il ne comprend pas assez. Vin soit Bali, vin soit Bali, capacité lui-même. Pour lui-même, il a enseigné, il n'y a pas de boire. C'est enseignement, ça a gagné. Il n'y a pas de chrétien, pas de boire. Alcool. Il y a ça comme enseignement. Et puis il vient croiser au moins ou même qui commande dans ça dans l'autre niveau. Il vient croiser au caboué. Ça vient déranger. Parler à les messages ça va aller pour dire la Bible dit non l'autre occasion qu'a fait. Mais l'occasion précise ça c'est 6 mois. On va voir ça dans 1 Corinthiens 8 verset 9 à 13. Nous introduisons nous dit si votre consommation d'alcool ou de vin devient une occasion de chute pour un frère, il vaut mieux de ne pas le consommer. 1 Corinthiens 8, verset 9 à 13. Paul dit, prenez garde, c'est pour nous les autres. Toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Ou les poubouets. Mais attention pour liberté, là, il n'y a pas une occasion pour que vous la perdu. Parce que lui-même est faible par rapport à vous-même. Paul dit, car, dans verset 10 là, si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, c'est au compte message, au compte enseignement, bien, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience, à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi, le faible périra par ta connaissance. Le frère pour lequel Christ est mort. Verset 12. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Ouais, ou même vous péchez. Verset 13. C'est un pour quoi? Si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande. Afin de ne pas scandaliser mon frère. Vous connaissez, frère, les petits problèmes. Vous connaissez que lui-même, il ne peut pas boire telle boisson. Il ne peut pas boire bière, par exemple. Il y a des gens qui ne peuvent pas boire bière. Il y a des gens qui disent qu'il ne peut pas boire coca, par exemple. Et bien, il vient de jouer avec un coca. Bon, là, maintenant, quand il y a une religion qui ne peut pas manger, il y a un cochon, on va nous boire coca, etc., etc. Bon, dans 5 mois, il y a une croisée avec mon frère qui a boire coca. Il faut dire, ça n'est pas les hommes, la Bible dit pas boire coca, mais boire. Parce que Paul dit manger tout ce qu'on va au marché. La Bible dit manger viande, la Bible dit boire. Maintenant, où vit le frère, il faut avoir une croisée à manger. Ou bien à boire, et bien, ou même qui soit devant, il faut cesser de manger. Ou le cesser de boire parce que manger à boisson boire le cabi occasion de chute pour lui. Bien aimé avec quoi ça va non yon bar et puis lui ouais on bat beaucoup devant. N'a tête pas mon pas tout d'abord quoi. Ouais, à mesure il peut boire la caille. Mais les mêmes les enseignements, les mecs qui pas comprennent l'évangile assez,
les gens qui sont affiés à terre, ou qu'on n'a pas de bois, etc., etc., ils viennent pêcher, ou même qui quotidien bois devant là, ou viennent pêcher tout. Les puis ça, ils disent, ok, mon frère, je te comprends, ah ben je cesse de boire. Et puis, dans une nouvelle occasion qui est présentée, pour expliquer l'enseignement, la Bible dit que je suis boire, mais c'est les boire de manière exagérée, c'est les boire à outrance, c'est les ça péché contre mon Dieu. Ça me ferme pas péché. Étant donné que je ne comprends pas l'enseignement, donc je ne cesse de boire pour que je gagne moi-même. Mais la Bible pas dit ça. La Bible dit que je boire, mais il faut pas boire à l'excès, c'est lorsque je boire à l'excès, mon péché. Pour nous finir, nous prenons Romains 13, verset 12 à 14. Notre dernier texte pour nous finir. Romains 13, verset 12 à 14. Qui ça apôtre Paul dit? Paul a décidé de conseiller dans ce sens-là. Il dit non. La nuit est avancée. Le jour approche. La nuit est avancée. Est-ce que c'est le soleil qui va le coucher? Le jour approche. Est-ce que c'est lundi qui va le venir? Non! Et bien, c'est ça pour nous parler là. La nuit est avancée. Le jour approche. On va pas avancer vers la mort. On va avancer vers le royaume de Dieu. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour. Pour dire que je loin des excès et de l'ivrognerie. Je ne suis pas de manger à l'excès, je ne suis pas de boire à l'excès. Nous pas de vivre. C'est pour nous vivre, c'est pour nous marcher honnêtement comme en plein jour. Loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Verset 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire leurs convoitises. Donc, quand il a fini, quand un bon Dieu approche, c'est pas tant qu'on a pédé gaspillé tant dans mon Jean-Pil, dans valet ta fiac papitil non rien. Paul dit et pour marcher plutôt en plein jour loin bagage ça. Et pour aller loin. Excès de table, ivrognerie, luxure, impudicité, querelle, jalousie. Paul, au contraire, c'est pour habiller nous avec Seigneur Jésus. Et pinga nos soins, la chair, pour nous satisfaire, convoitise. Donc, les excès du bois et du manger, on parle des excès du manger et du bois, eh bien, sont condamnables, condamnés par la parole de Dieu. Nous devons suspendre, pratiquer, signe de qu'on pratique. Si nous ne pratiquons pas, nous continuons à pratiquer. Parce que la pratique des excès du manger et du boire nous emmène directement à la géhenne, à l'enfer éternel, à la seconde mort. J'espère que mon Dieu bénisse chacun de nous. J'espère que l'enseignement ça nous te comprendre. Nous allons attendre encore. Plus compréhension va venir. Nous allons faire effort. Moi-même, ensemble avec nous, nous allons faire effort pour appliquer. Pour que nous soyons capables de part à la vie éternelle, parce que nous avons avancé, jour approché, nous nous dépouillons des œuvres des ténèbres, nous nous ablions avec les âmes de la lumière. C'est avec vous, votre béni frère, Jean-Garry Bonheur. Que Dieu soit à chacun de vous. À dimanche, si Dieu veut, pour notre 13e partie de cet enseignement, les œuvres de la chair. Amen. Si il y a une question dans la salle, on va prendre, on va regarder si il y a des amis sur Facebook qui posent nos questions. Si va gagner, tout est clair. Bon. On a gagné une sœur Madeleine. Autre question? On a trois bagages là. Trois bagages, numéro 1. Souvent, nous on parle de ça déjà. Mais comme on toujours dit ça, on peut faire référence avec les obligés, mon dos ça. Par exemple, on peut faire référence avec James Cochon, on peut faire référence avec... Est-ce que tu as fait peuple à vous qui a parlé? Oui, Patrick a parlé, moi. On peut faire référence avec James Cochon, on peut faire référence avec
avec coca. Moi-même, dès qu'on boit coca, en pile coca, dès qu'on mange en pile viande cochon, mais pendant que qu'on mange, on est toujours connu viande cochon, hein. Il n'est pas bon pour santé. Parce que depuis, l'année qu'on a conseillé, viande cochon a un verre là-dedans qui va rien cuire, même lorsqu'on brûle, viande cochon fait des farines, verre ça va rien cuire. C'est la raison ça, moi-même, je ne pas manger viande cochon. Le fait que je ne peux pas manger là-dedans parce que viande cochon n'a pas de vitamine là-dedans. Malgré le vendre dans le marché, je ne pas dire que je ne pas manger. Moi-même, je ne pas manger. Tant que j'ai tout pour manger, peut-être vert qu'il a donné. Avec, il a des vitamines. Plus de manger, bien que je ne pas vitamine, manger, c'est pour manger plein. Si je suis à Haïti, je suis à Haïti. Premièrement, qui sont conseillés leur faire référence avec bien cochon. Bon, merci pour vos questions. Et même Jean-Michel dit ça tout à l'heure, Paul dit manger tout ce qu'on vend au marché. Est-ce que je vais vendre un cochon au marché? Est-ce que je vais vendre une belle viande cabri? Je pense que le bon message que tu as prêché déjà, tu as appliqué sur tes positions sur ça. Le message que tu as titré, manger tout ce qu'on vend, manger tout ce que tu as créé. Nous devons enseigner comme ça. Si donc, pour cause médicale, on sait des bagages de docteur ou pas manger, la Bible n'a pas de problème avec l'onge ou pas manger. Mais ce n'est pas un enseignement biblique qui dit qu'il va manger. Ce n'est pas bon Dieu qui dit. Et ça que nous prenons exemple de cochon. Parce que l'enseignement qui fait quoi que la Bible dit qu'on ne peut pas manger de cochon, c'est faux. Okay. Parce que nous ne savons pas comprendre que le cochon qui s'est symbolisé. Le cochon, c'est pas rien. Le cochon, c'est pas rien que le théier. Donc, dans le temps, vous ne pouvez pas observer pas rien, vous ne pouvez pas observer avec les juifs. Eh bien, l'autre bête, toute bête impure, dont vient le cochon, ils étaient représentés païens. Toutes viennent pures, étaient représentées les enfants d'Israël, qui étaient seuls peuple bon Dieu. Maintenant, bon Dieu va avoir une vision avec Cornel, il va avoir un homme qui présente devant, qui a tout type de bête. Bon Dieu t'a interdit de manger. Et bon Dieu dit, tu es et manger. Ça, c'est une image de païen qui va jouer plus tard la vie éternelle, le royaume de Dieu. Donc, Cornel, c'est pas le premier païen qui va jouer le salut, qui va le pentir. Et ça fait qu'il y a là, viande cochon, viande sale qui est impure. C'est pas viande impure vrai, c'est nous-mêmes pas un qui sale qui pas propre. Maintenant, mon Dieu, qu'on y a la faire nous grâce. Donc, pas aucun enseignement qui m'a dit pour m'aider à coca, pour m'aider si pas ça, la Bible, tout ça, on va nous marcher, on va manger. Et puis, on avec action de grâce. Mais pour, si on connaît telle viande, le docteur dit pas manger, il dit qu'il n'y a n'importe l'autre viande. Viande rouge, par exemple. En plus, le monde, le docteur dit pas manger viande rouge. Viande bien sang. Ne pas beaucoup santé. À mon Dieu, pas manger pour protéger santé. Mais ça n'a aucun rapport avec le salut. Comment manger, comment pas manger, ça va pas salut. Les cas peut être fait tout simplement par négligence. Docteur dit pas manger, on mange pas négligence, on va mourir. Mais ça n'a aucun rapport, ça n'a aucune incidence sur salut. Il y a du pas boire coca parce que pas beaucoup santé ou là boire coca. Ah ben il va bien incidence sur la vie, on va mourir. Mais il n'a aucun rapport avec salut. Il a dit que je n'ai pas n'importe. Je sais, par exemple. Le docteur dit que je n'ai pas bon pour moi. Ah, mais je ne pas bon. Mais ce n'est pas un avis biblique. Ce n'est pas la Bible qui est dit que je ne pas bon. C'est là pour situer. Donc, on va manger un cochon, on n'a aucun problème là-dedans. Parce que les nuits à santé. Mais si on n'a pas problème de santé, on va manger un cochon, on s'écrase. Moi, je petit cochon en ville. Ouais. Mais si la Bible te dit qu'il a mangé, comme la Bible a dit, affaire pas manger, c'était un lot de bagaille, mon Dieu, t'as fait dans le temps, qui fait te dit manger ceci, pas manger cela. Donc, mon Dieu, ça y est, bon, ça y est, il ne comprend pas trop bien. Il va comprendre la façon dont Dieu t'a utilisé pour le sauver, pas rien. Pour même penser que c'est cochon de l'année naturelle, son figurier, son figure, le bon Dieu t'a dit, pas manger telle viande, viande ça y est impure. C'est pas un impur. Mais immédiatement Jésus vini, porte ça à ouvrir aux païens. Maintenant, pas ni juif, ni païen, ni grec, ni esclave, ni libre. Nous tous nous sommes seuls dans mon Dieu. Donc, question pas manger ceci, pas manger cela, il tombe. Toutefois, si c'est la vie médicale qui ne doit pas manger, ou Dieu ne pas manger. Bon, ça m'a qu'à dire, on ne va pas parler de vraiment païen, etc. On va manger de quelque chose, le fait que
il n'y a pas de vitamine là-dedans. Il est goût, c'est vrai. Ça va être les gens qui nous nourrissent. La vitamine, c'est les gens animaux à nous. Parce que si on a fait un élevage, il y a des bains naturels. Les viennent là, après de ça nourrir. Même les poule blanche, ou pas poule blanche, j'ai dit poule blanche. C'est les gens nourrissent poule blanche. Vous voyez, si vous avez des petits bains maillés, vous allez manger, vous allez faire des bains, ça c'est tout à fait des vitamines. Mais il y a toujours poule blanche, ça va être des gens nourrissent qui causent. Sans dire de carbone, et d'après une recherche que je fais, les actifs, je ne peux pas de vitamines là-dedans. Toujours une bien cochon, quel que soit sorti de manger, il n'y a pas de vitamines là-dedans, les goûts. Tout le monde mange des fêtes les goûts, tout le monde mange quatre mois surtout, et jusqu'à présent, je ne parle pas avec toi. Si je suis là, je suis bien cochon, je ne parle pas de manger, je ne parle pas de manger. Parce que, pour manger, même qu'on est. Pas grand, il y a un d'homme. Après, je cherche une ferme, je viens de nuit. Et deuxièmement, je vais la donne, je vais ça, pas jamais mourir. Raison qui fait pas manger encore. Tu comprends? Troisième bagage qui fait bien cochon, pas manger. Je vais aller dans le coca. Un professeur qui fait un coup pour nous. Il a dit, viens cochon, pas bon, coca, pas bon. Si nous avons besoin de vérité, pour moi, c'est viens cochon. Mettez là, dans le coin, videz coca sur lui. Dans deux mètres, si vous voulez voir, il y a les verres. Il y a les verres. Moi-même, je fais. Je fais coca. Vous mettez sous bien cochon, il y a les verres. Souvelez, faites expérience là, à la carreau, achetez mon sou bien cochon, mettez dans le coin, pour coca, videz sur lui. Dans deux mètres, si vous voulez voir, il y a les verres. Le réseau, ça moi-même m'a mangé. Quand le gars était venu dans coca, on tout dit. Et coca, il y a un autre bagage là-dedans. En plus, on ne peut pas boire coca. On ne peut pas boire tout. Boisson gazeuse, ça, si toutes les fois, ou y a un vaisseau là, qui noie, ça coûte ça, on ne peut pas prendre coca, on va nettoyer là avec. Je vais vous expliquer ça sur les réseaux sociaux. L'autre bagage encore. L'autre bagarre encore, ou bien toilette qui plein là, vide coca là donne. Il fun, toute matière. En réalité, coca n'est pas bon pour santé. Blanc pas fait coca pour mon bouet. Nous qui fait coca, et bien m'a raison. Vous ne pas faire coca pour mon bouet. Blanc pas fait coca pour mon. Pour qui ça? Et bien mon bouet. Et en plus, mon bouet, il n'y a pas qu'on est sale. Pour qui ça y a bouet. Mais mon qui fait coca, il y a vrai coca. Maintenant, c'est éminé. En tout cas, aspect, ça n'a pas un problème avec nous. Ça, c'est aspect médical. Mais aspect biblique, la Bible que vous avez. Je ne sais pas. Quand vous avez dit ça, vous n'avez pas parlé, vous n'avez pas dit, ni médical. Non, je ne sais pas. La table, je ne sais pas. En réalité, je savais dans l'esprit, je n'étais pas obligé de dire. Ah, mais pas de problème. Pour l'autre bagarre, je ne sais pas. Pour ce qui a été voir, et vous qui voyez un pile de jus de basse. Bon, la Bible dit excès en tout nuit. Okay. Tout soit beau, vous la mesure. Vous la mesure. Vous la mesure. Quelqu'un soit beau. Parce que. Les écoles de l'eau, vous pouvez le dépasser le dernier jour. Évidemment, comme vous êtes sous verre. Non, parce que vous êtes moins de sous verre parce que c'est lui qui a plus de problème. Ouais. C'est lui même qui a plus, etc. qui peut plus déranger. Mais vous avez le genre quand vous avez tout. Donc quand vous avez l'eau, vous ne pouvez pas quand même gagner quand même. Parce que vous pouvez dépasser. Quelqu'un soit beau, vous la mesure. Excès en tout, nuit. Eh bien, ok. Merci beaucoup. Donc, c'est pas quelle autre intervention. Dans celle-là, on a fait des faits. Et nous saluons quelques amis qui étaient ensemble avec nous. Un peu l'autre monde est déjà allé. Donc, il y a un peu le monde qui est déjà allé là. Excusez-nous. Pour le rangement, nous avons quelques amis. Nous avons Anatolia Tolentino depuis Chili qui était jusqu'à présent. Nous avons Alain Aloria depuis la France qui est toujours là. Nous avons Manis Rigou qui est en live là. Mais là, ça l'a l'appelé lui-même. Nous avons Mélode Constant depuis le Canada dans une zone ville qui est là. Nous avons aussi Madeleine Joazan depuis les États-Unis d'Amérique qui est toujours là. Il dit que était contre manger, il vient de cochon. Il vient vers la dedans il suspend de manger, il n'y a pas de boire son gaz et tout. Oui, ça c'est cause et raison médicale que vous voyez, mais il n'y a aucun rapport avec le salut.
Donc, en gros, on a prêté là. Nous saluons Carlo Hiller qui... Qui est-ce? Yves Do. Ah ben, Yves Do, nous saluons. Il est là depuis Chili. Depuis Chili, nous saluons tous les amis Chili. Betty Love depuis les États-Unis d'Amérique, zone Miami. Alexis Jocelyn depuis les États-Unis d'Amérique également. Nous saluons Alexis Jocelyn. Et puis, oui, non, salut Carlo, il est déjà. Ils sont super branchés, toujours là. Vous saluez Mille Constant déjà. Oui. Et Swamé Dimitri de Haïti. Swamé Dimitri de Haïti, nous saluons toute la famille Swamé. Nous saluons. Et puis, bonjour, bienvenue tout le monde. Moi, je suis monté pendant que nous avons mis fin. Eh bien, nous désolé pour tout le monde qui est monté. Nous avons croisé dimanche, si je veux, pour un autre sujet. Que bonjour, bienvenue. Que bonjour, prenez soin. Bye bye. À bientôt. Bonne semaine.